Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est bien l'agence matrimoniale? Je suis une dame. Oui, si vous voulez. Non, mais c'est pas grave. J'aurais besoin de rencontrer une femme, mais c'est extrêmement pressé. Oh, oui, c'est extrêmement pressé, mais c'est pas le lendemain que vous allez rencontrer quelqu'un après, vous voyez, c'est... D'accord, mais vu que c'est pour mettre sur ma déclaration, faudrait vraiment pas traîner. La déclaration? Bah, pour ma déclaration d'impôt. Comment ça, vous voulez mettre ça sur la déclaration? Je comprends pas. Vous voulez mettre la dame sur la déclaration? Bah oui, parce que si je me déclare une femme, ça me fait gagner genre 50% d'abattage. Attendez, faut que la dame, elle soit d'accord, monsieur, ça se fait pas comme ça, vous pouvez pas mettre quelqu'un comme ça sur vos impôts. Ah si, j'ai le papier avec moi, j'ai plus qu'à remplir les cases. Mais numéro de sécu. De la personne? Bah oui, le mien, je l'ai déjà. Ah mais j'ai pas son numéro de sécu, monsieur, ça me regarde pas. Bon, ça on verra après. Numéro de passeport. Non mais ça, je ne vais pas pouvoir vous le donner, monsieur. Ou carte d'identité, sinon ça marche aussi. Mais je ne vais pas à vous donner la pièce d'identité de la dame. Non, mais une copie me suffit. Mais je n'ai pas à vous donner la copie de la pièce d'identité de la dame. Bon, nom, prénom. Mais je ne vous donnerai pas un nom, monsieur. C'est hors de question. J'ai jamais eu une demande pareille. De toute façon, je vous donnerai rien, hein, à part le nom et le prénom de la dame. Ah, nous y voilà, je vous écoute. Nom de jeune fille. Non, mais je vous donne... Oh, je pense que vous avez pas très bien compris, hein. Ou si, j'ai très bien compris. Vous voulez du cash? Mais pas du tout. Mais vraiment. Non, mais je comprends. Écoutez, moi, je viens avec une enveloppe et puis on n'en parle plus. Ah, non, mais attendez, ça m'intéresse pas. Je vois ce que c'est. Non, il n'y a pas de. Oui, un petit bifton discret, je vois. Non, vous voyez rien du tout, non. Dites-moi votre prix. Moi, je ne travaille pas comme ça. Ah, allô? Non, mais. Ah, non, monsieur. Vous nous prenez pour quoi, là? Mince, enfin, vouloir rencontrer quelqu'un pour payer moins d'impôts, c'est de la filouterie, ni plus ni moins. Non, mais même une occasion, une seconde main. Bah, voyons. Un fonds de catalogue, quoi. Voilà, c'est ça, fonds de catalogue. Mais vous prenez les gens pour quoi, monsieur? Et le respect, vous savez ce que c'est? Ça, c'est un truc pour truander les impôts. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va prendre le risque, en plus, d'avoir des problèmes? Simplement pour que vous payiez 50% d'impôts en moins? Fallait investir, ou je sais pas, il y a des moyens pour payer moins d'impôts. C'est ce que je compte faire, si on considère que j'investis dans une femme. Bah, voyons, vous savez pas? Première nouvelle, les femmes sont des êtres humains. Et vous savez ce que je fais, moi? Je prends votre numéro de téléphone, je vais aux impôts et je leur explique. Ah bah moi d'abord. Oh, je vous dis que vous n'êtes pas dans votre droit. Je suis désolée, mais là, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Et puis maintenant, vous allez arrêter. Hein. Ah bah celui qui dit, c'est celui qui est. Excusez-moi. Hein. Mais vous êtes complètement malade, hein? Non mais quand même, c'est vous qui avez commencé, parce que vous me dites... Quoi? C'est moi qui ai commencé? Je raccroche et j'appelle le commissariat, ils vont trouver d'où vient l'appel et puis après on verra. Ah bah attendez, je vous la passe la police, je transfère l'appel. Ouais, allez, c'est ça, allez-y. J'attends. Écoutez, faites-vous soigner là, hein. Oui, allô? Oui. Police de l'amour, bonjour. Ah oui? Ah oui, parfaitement, on m'a dit que vous aviez volé mon cœur. Oh. Non mais, je sais pas ce que vous avez pris là depuis ce matin, mais là faut vous calmer là, hein. Je pense que vous avez pas très bien compris, hein. Moi aussi, j'ai très bien compris. Vous voulez du cash? Mais pas du tout, mais non, mais vous avez... Écoutez, je viens avec une enveloppe et puis on n'en parle plus. Ah non, mais attendez, ça m'intéresse pas. Non, mais je vois ce que c'est. Non, il n'y a pas de... Oui, un petit bifton discret, je vois. Non, vous voyez rien du tout. Bonjour, c'est Martin de l'Appel Trop Con de Rire et Chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et Chanson. Hein ? À bientôt ! C'est pas tactile, hein, ça s'arrête pas, ton... Comment je fais pour...